Bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le pasteur Yvon Mouquetou, pasteur de l'église Asfer-Lyon. J'espère que vous avez passé une excellente journée et nous allons partager la parole de Dieu ensemble, toujours dans notre thème, les dangers de l'occultisme. Merci à tous pour vos retours, merci pour votre soutien, merci à l'équipe technique, la sœur Olivia, merci à toutes les personnes vraiment qui se mobilisent pour que nous puissions partager ce que Dieu met dans nos cœurs et c'est vraiment avec euh, beaucoup de euh, comment dire ça beaucoup de joie que nous le faisons c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous, nous nous voulons être une source de bénédiction pour vous alors n'hésitez vraiment pas à partager euh, cet enseignement parce que il va bénir plusieurs il va bénir plusieurs nous avons quelques retours déjà et nous sommes vraiment contents que cet enseignement vous fasse du bien nous parlons des dangers de l'occultisme, nous voulons dénoncer les œuvres des ténèbres et nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont dans les prisons, les prisons dans lesquelles l'occultisme a, a, a pu les enfermer. J'aimerais dire que Jésus-Christ est capable de vous délivrer et de vous sauver et de vous restaurer également. Gloire à Dieu! Nous allons prier quelques instants et nous irons dans l'enseignement du jour. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta fidélité. Tu es un bon Dieu. Et je crois, Seigneur, que tu veux nous faire du bien par ta parole. Tu veux délivrer quelqu'un, tu veux restaurer une vie et tu veux te révéler. Père, prends ces moments et viens parler à nos cœurs et viens délivrer quelqu'un qui est sous l'emprise de Satan, quelqu'un qui a besoin de ton intervention. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons déjà avancé pas mal dans notre étude sur les dangers de l'occultisme. Nous dénonçons ces choses. Nous avons déjà trois sessions passées. Je vous invite à aller sur notre page à Lyon pour regarder donc la série. Et aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans le fait de dénoncer donc les, les pratiques occultes. C'est des pratiques qui sont cachées c'est des pratiques qui ne sont pas faites au vu et au su de tout le monde en général parce qu'elles sont répréhensibles parce que en fait on vous fait croire aussi que en étant les seuls à les maîtriser, à les pratiquer, vous allez avoir le dessus sur les autres mais c'est aussi un piège et un mensonge du diable qui veut simplement que vous restiez son esclave et ce pendant longtemps vous savez le diable n'aime personne. Le diable ne veut le bien de personne. Ne vous y trompez pas. Il est mauvais, il est méchant et les démons sont mauvais et ils sont méchants. On les appelle les esprits méchants et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Un esprit méchant ne peut pas vous faire du bien parce que s'il vous fait du bien, son objectif c'est vous faire du mal au final. On, il y a tellement d'histoires qu'on entend dans ce monde de personnes qui ont... Commencé à entrer en relation avec des esprits mauvais et qui ont en tiré profit. Et les choses ont basculé en leur défaveur jusqu'au point où ces personnes se sont donné la mort et parfois même donné la mort à d'autres personnes. Vous voyez ça? Parce que le but du diable, c'est non seulement vous faire du mal, vous détruire, mais vous utiliser pour détruire d'autres personnes. Vous savez, la Bible dit dans Jean 10:10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça l'agenda du diable et de ses démons dans votre vie. Il va dérober ce que Dieu vous a donné. Il va dérober votre joie, il va dérober votre paix, il va dérober votre amour, il va dérober votre bien-être. Il va égorger, il vient pour tuer. Les projets, les projets de paix que Dieu a pour vous, les rêves que vous avez, les ambitions, il veut les tuer et il veut détruire, détruire, c'est-à-dire non seulement vous tuer, mais faire disparaître toute trace de votre passage pour qu'on n'entende plus parler de vous. Vous voyez, c'est tout le contraire de la bénédiction. La bénédiction, quand elle vient, Dieu veut non seulement te bénir, toi, mais il veut faire de toi une source de bénédiction et il veut que ta mémoire reste dans. Les livres d'histoire comme ayant été une source de bénédiction. Vous voyez ça? Donc, Dieu a des bons plans pour nous et le diable, il n'a pas du tout de bons plans pour nous. Ne vous leurrez pas là-dessus. Alors, la Bible va nous donner des indications très claires, des conseils très clairs par rapport à tout ce qui tourne autour de l'occultisme. Et, je vais donc commencer par ce passage qu'on trouve dans Deutéronome, chapitre 18. Et puis après, on va aller dans Galates 5, où on nous présente les œuvres de la chair. Et là, je parlerai aux personnes qui sont euh, dans la maison de Dieu, qui se sont converties, mais qui ouvrent encore des portes à l'ennemi dans leur vie en conservant certaines pratiques. Euh, qui sont liés à l'occultisme a... dans lequel ils étaient avant de se convertir, lorsque ces choses ne sont pas abandonnées. Et on verra quelles sont les conséquences dont la Bible parle. Alors, regardons pour commencer. Les amis, je vous invite à partager vraiment ce live. Vous allez bénir quelqu'un, être une source vraiment pour la délivrance de quelqu'un. Allez, on y va. Donc, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome, c'est un livre de l'Ancien Testament. De Deutéronome, chapitre 18. Et on va lire à partir du verset 9. Vous savez, la Bible est le livre le plus vendu et le plus lu au monde. Ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt à lire la Bible. Parce que c'est un livre qui a traversé les âges et qui, malgré toutes les controverses, qui sont les polémiques inutiles autour de ce livre, ce livre reste l'incontournable pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu, et pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour comprendre le monde spirituel, les enjeux, les interactions, et, et les forces en présence, comprendre les principes que Dieu a établis, comprendre aussi les lois que Dieu a établi les commandements qu'il nous donne. Et là, nous allons voir que le Seigneur a été très clair avec son peuple, avec ses enfants. Verset 9, Deutéronome 18-9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Où disent la bonne aventure Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'éternel ton Dieu ne le permet pas. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est... Franchement, je, je, on ne peut pas faire plus clair que ça. Regardez, le peuple de Dieu a été en esclavage. Pendant 430 ans en Égypte, ils ont été sous l'emprise de l'Égypte. Et vous savez très bien que les Égyptiens n'étaient pas des enfants de cœur. Les Égyptiens sont à l'origine du développement des sciences occultes. Et quand vous regardez la plupart des, des rites, des, des choses qui existent, on, on, on dit, ils font souvent référence à l'occultisme égyptien c'est la racine donc ce peuple égyptien là avec l'occultisme et la sorcellerie qu'ils ont développé et pratiqué ont maintenu le peuple de Dieu en esclavage pendant 430 ans mais Dieu avait un plan pour son peuple et Dieu avait fait des promesses à son à Abraham notamment pour dire que tes descendants seront esclaves mais je les délivrerai pour qu'ils entrent dans la terre que je te promets. Donc, il y avait une promesse. J'aimerais te dire qu'il y a des promesses que Dieu a faites sur ta vie. Mais la sorcellerie et l'occultisme vont s'opposer à ce que tu entres dans ce que Dieu a promis pour toi. Et, et ces choses vont construire des prisons dans lesquelles tu vas être privé des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Donc, Dieu va dire à son peuple, voilà, ils ont passé 40 ans dans le désert et ils sont à la porte de la terre promise, ils sont sur le point d'entrer dans la terre de bénédiction. Et Dieu va leur dire ceci, vous allez aller conquérir ces territoires parce que je vous les ai promis, je les ai promis à Abraham et vous êtes les descendants d'Abraham, donc cela vous revient le droit. Et il y a des nations, qui sont dans ces territoires et ces nations ont des pratiques qui sont en abomination devant moi vous savez si dieu a des pratiques en abomination si dieu déteste certaines choses les amis ce n'est pas pour rien si dieu déteste quelque chose cette chose n'est certainement pas bonne cette chose ne peut pas vous faire du bien et donc, le Seigneur va être clair avec ses enfants. Il dit Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc, pour Dieu, ces nations pratiquent des abominations. Pour Dieu, c'est abominable. C'est-à-dire, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est répugnant et c'est répréhensible. Vous comprenez ça Donc, il dit, tu n'apprendras pas à imiter les abominations. Et c'est quoi ces abominations qu'ils font, qu'on ne doit pas imiter Il dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, ce sont des rituels occultes que vous pouvez découvrir dans, dans certaines. Euh, comment dire ça Dans, dans, dans certains mouvements ésotériques. Et, et, et notamment dans la, la culture égyptienne, vous allez voir qu'ils pratiquaient les sacrifices humains et ils pratiquaient les sacrifices de leurs propres enfants. Mais quelle abomination Quelle abomination aux yeux de Dieu Il dit, il dit donc, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de Devins. Vous voyez Les devins, les astrologues, augures, magiciens, enchanteurs. Tous ces métiers-là, ce sont les métiers où les acteurs de ces métiers-là vont entrer en relation avec des esprits. Mais ces esprits, ce sont des démons. Ils vont entrer en relation avec ces esprits pour vous donner des orientations de vie pour vous donner des, 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 des conseils de vie. Mais ce sont des conseils qui sont empoisonnés. Parce qu'aucun démon ne vous veut du bien, aucun esprit méchant ne vous veut du bien. Et écoutez-moi bien, vous, vous vous inquiétez pour votre vie et pour votre avenir, et vous vous dites, il faut que j'aille consulter un médium, il faut que j'aille consulter un voyant. Ou vous vous dites, je vais regarder ce que l'horoscope me dit. Tu es en train de livrer ta vie aux démons. Tu es en train de leur donner la légitimité de manipuler ta vie et de t'emmener dans une prison qui va te priver de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend Les amis partagés, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces pratiques et ils ignorent totalement les dangers auxquels ils sont exposés. Et mon but ici, c'est vraiment de dénoncer ces dangers afin que vous, vous, vous ouvriez les yeux. Et que vous renoncez à ces pratiques, que vous abandonnez ces pratiques. Donc, Dieu va dire voilà, qu'on qu qu ne trouve chez toi personne qui exerce le métier. Il y en a qui en ont fait leur métier parce que c'est aussi le moyen pour eux de gagner de l'argent, de soutirer de l'argent. Écoutez, le diable ne connaît pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir et dans sa souveraineté, il révèle à ses serviteurs, notamment les prophètes, les secrets de l'avenir. Lorsque vous allez voir un médium, un enchanteur, un voyant, etc., et qui vous dit des choses qui concernent votre avenir, écoutez-moi bien, il est simplement en train de vous annoncer le plan que le diable a pour vous. Il est simplement en train de vous dire, voici ce que le diable envisage pour toi, et si tu es d'accord, et que tu acceptes cela et tu crois en cela, tu donnes la légitimité pour qu'il pour qu en soit ainsi. Est-ce que vous m'entendez Tu donnes la légitimité pour qu'il en soit ainsi. Alors que le diable ne connaît pas du tout l'avenir. Les amis, le diable n'est pas Dieu, le diable n'a rien créé, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Par contre, il peut orchestrer des événements pour t'emmener quelque part. Donc, il peut orchestrer que tu rencontres une personne. Et cette personne va pourrir ta vie. Cette personne va emmener toutes les mauvaises choses. Et il te l'annonce d'avance. Parce qu'il est déjà en train de préparer la personne pour t'emmener ces choses. Mais ce n'est pas qu'il connaît l'avenir. Et je vous prends un exemple. Quelqu'un vient te dire, oui, je vois que... Tu vas faire tel accident et tu vas mourir à telle période. Vous savez, je me rappelle quand je travaillais dans la restauration, il y a plusieurs années de cela, j'étais encore étudiant, et j'avais une collègue, écoutez-moi bien, j'avais une collègue qui était dans des pratiques occultes. Et cette collègue-là, elle était bizarre, elle était vraiment bizarre. Et en parlant avec elle, j'ai discerné cette fille là, elle n'est pas, elle n'est pas simple. Et j'ai commencé à creuser. Je lui prêchais l'Évangile et je lui posais des questions. Et elle a commencé à me dire des choses. Tu te dis waouh, 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 wow. de malheur en malheur. Mais elle te dit que elle a, une, elle a des esprits qui lui parlent, qui lui disent des choses, etc. Et là où elle m'a choqué, c'est quand elle me dit, j'ai déjà écrit mon testament et je sais quand je vais mourir. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, oui, on m'a déjà dit quand je vais mourir et je sais que je vais mourir à cette date-là. Waouh! Waouh! Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Elle dit, oui, oui, mais c'est déjà écrit, hein, c'est déjà écrit, je sais que je ne vivrai pas au-delà de tel, tel âge, etc. Est-ce que vous vous rendez compte? Le diable la manipule, le diable l'utilise et en plus, le diable a défini un terme pour sa vie. Si c'est ton cas, je viens briser ce décret satanique sur ta vie. Je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et tu peux dire comme David :« Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Bien-aimé, Dieu veut que tu vives longtemps et que tu sois en bonne santé. Il dit dans sa parole :« Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. » Dieu ne veut pas que tu meurs prématurément. Dieu veut que tu vives longtemps. Bien aimé la volonté de Dieu. Et que tu vives longtemps, que tu sois en bonne santé. C'est ça que Dieu veut pour toi. Vous imaginez Ces démons-là lui ont annoncé quand est-ce qu'elle devait mourir. Et elle a déjà écrit. Elle a cru en cela. Quel dommage. Donc, le diable ne connaît pas l'avenir. Tout ce qu'il peut faire, c'est créer des circonstances et des événements pour vous amener sur le chemin qu'il a tracé pour vous et vous amener à la perdition, vous détruire. Donc, on ne doit pas fréquenter les médiums, les devins, les astrologues, les augures, les magiciens, les enchanteurs. Écoutez, les personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, ça s'appelle la nécromancie. Essayez d'entrer en contact avec les morts pour avoir des informations. Quel intérêt La Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. D'accord Ce n'est pas sain, ce n'est pas normal, ce n'est pas euh, voulu par Dieu que vous puissiez vous tourner vers les esprits des morts. Je me rappelle de ce frère qui me dit, oui, Pasteur Yvon, euh, j'ai fait un rêve. Où mon grand-père qui est mort m'a dit de faire telle et telle et telle chose. Je lui dis Mais frère, tu ne peux pas donner foi à cela parce que c'est ton grand-père qui est venu te le dire dans un rêve. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu C'est une tentative pour t'initier dans la sorcellerie. Tu dois refuser ces choses. Tu ne dois pas l'accepter. Bien aimé, si vous voulez des conseils de sagesse, regardez la parole de Dieu. Si vous voulez des conseils de sagesse, adressez-vous à vos hommes de Dieu. C'est des gens qui sont oints par Dieu, que Dieu a désignés pour être des voix prophétiques pour votre vie, pour votre bien, pour votre avancement. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter votre grand-mère qui est morte depuis des années pour savoir pourquoi il se passe telle ou telle chose dans votre vie. Vous avez besoin... Que l'Esprit Saint vous parle. Je me rappelle de cette dame qui est venue me narguer dans mon bureau. Quelques années de cela, j'étais commercial et elle vient elle me dit euh, euh, On me dit que vous êtes quelqu'un de bien. Les, les, les esprits avec lesquels je travaille me disent que vous êtes quelqu'un de bien. J'étais tellement énervé dans mon cœur, je lui dis Effectivement, je suis quelqu'un de bien, mais les esprits en question, je ne suis pas sûr que ce soit par contre des bons esprits. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous travaillez avec l'Esprit de Dieu. Je dis, moi, je travaille avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Je ne travaille pas avec les esprits. Je travaille avec l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Hum. Hum. Vous savez, le diable peut connaître votre passé et votre présent. Parce que votre passé et votre présent n'est pas un mystère. Vous l'avez vécu. Il y a eu des témoins il y a des choses qui sont écrites. Au sujet de ce par quoi vous êtes passé. Donc, quand vous allez voir un devin, un astrologue, un enchanteur, etc., un augure, il, il va commencer par vous parler de choses passées qui sont vraies pour susciter l'intérêt et la foi dans votre cœur. La foi en ce qu'il va vous dire pour la suite. Mais ce qu'il va vous dire pour la suite est un tissu de mensonge parce que le diable ne connaît pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le diable sait que Dieu veut vous donner un avenir et de l'espérance. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui Il va aussi concevoir des plans et des projets, mais pas pour vous donner un avenir et de l'espérance, pour court-circuiter votre avenir, pour court-circuiter votre espérance et pour écourter votre vie pour boycotter votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Je prie vraiment que tu comprennes que tu ne dois pas fréquenter de telles personnes. OK Parce qu'en allant les fréquenter, tu t'exposes à entrer en alliance et en pacte avec ces démons et avec ces esprits. Et ces démons, lorsqu'ils ont le consentement que tu leur donnes, eh bien, ils vont te faire du mal avec ton propre consentement. Donc Dieu dit, voilà, qu'on ne trouve pas chez toi ces personnes-là, ok Ceux qui interrogent les morts, etc. Il dit, verset 12, 18-12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Est-ce que vous comprenez que Dieu, il a en abomination de telles pratiques Et si Dieu a en abomination de telles pratiques, les amis, ces pratiques ne peuvent pas vous faire du bien. Il dit, écoutez, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. C'est important de comprendre que... On ne peut pas servir de deux maîtres à la fois. Si tu t'amuses à consulter l'horoscope, ces choses-là qui paraissent anodines, consulter les voyants, etc., pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce qui, qu qui sera plus tard, tu t'exposes, tu exposes toi-même ta vie à être sous le contrôle de ces démons, ces esprits méchants. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit ceci. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il ne le permet pas. Il ne le permet pas. Laisse ça pour les autres. Toi, cherche Dieu. Confie-toi en lui. Confie-toi en sa parole. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et l'homme qui se confie en l'éternel, il est béni, il est heureux. Est-ce que quelqu'un m'entend Donc, tu ne peux pas t'amuser à aller chercher les éléments pour te rassurer. Donc, te confier dans des devins, les astrologues, des magiciens, penser que tu seras rassuré pour ton avenir. Non, au contraire, au contraire, tu es en train de court-circuiter volontairement ton avenir. Donc, il faut bien comprendre que ces choses ne sont pas bonnes. Regardons maintenant, on va aller un peu plus loin. D'accord Dans Galates chapitre 5. Dans Galates chapitre 5, la Bible va commencer par dire quelque chose de très important. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous vous rappelez Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que le diable veut faire de vous son esclave. Les démons veulent faire de vous leur esclave. Je me rappelle de de cet ami là qui me dit euh, oui, euh, moi je suis initié et dans tel rite, dans tel rite au Gabon, voilà, il m'a cité le nom du rite et il me dit euh, et dans ce rite on a des interdits. Je dis ah bon. Il me dit oui, on a des interdits. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et puis euh, on ne doit pas. Euh, il y a certains fétiches qu'on a euh, et qu'on ne doit par exemple pas mouiller. J'ai dit, mais tu te rends compte Donc c'est à toi de protéger maintenant ce qui est censé te protéger. <laughs> mais quelle stupidité Quelle stupidité si ces éléments occultes sont si puissants que ça, ils n'ont pas besoin de ta protection. Ils n'ont pas besoin de ta protection. Vous comprenez que c'est une manipulation satanique, mais d'un niveau tellement euh, euh, visible. Et les gens se laissent tromper. C'est pour la liberté que Christ vous, nous a affranchis. Donc, Christ. Jésus veut que vous soyez libre, alors que le diable veut que vous soyez son esclave. OK Il dit demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est pour les personnes qui ont rencontré l'évangile, qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont compris que les pratiques euh, occultes ne sont pas bonnes et qui les ont abandonnées. Dieu te dit ceci demeure ferme. Demeure ferme et ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, Christ t'a délivré, il t'a libéré. Mais tu as la responsabilité de te fonder dans sa parole pour ne pas permettre que le diable te ramène dans les choses que tu as abandonnées et qu'il remette un joug surtout vous savez le joug c'est un petit appareil de bois ou de métal qu'on mettait sur les vaches ou les voilà des, des animaux pour qu'ils puissent tirer un appareil c'est dans le cadre de l'agriculture mais le joug va leur imposer une posture et va leur imposer d'avancer dans un certain sens parce qu'il n'est pas fait pour qu'on soit libre de nos mouvements donc le diable veut te mettre de nouveau mais tu ne dois pas accepter qu'on te met de nouveau, de nouveau. Tu as été libéré. C'est pas pour repartir sous l'emprise de Satan. Est-ce que vous entendez Au verset 7, il va dire, Galates 5, toujours, il va dire, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Les amis, il y a des influences qui veulent vous empêcher de marcher dans la vérité, de marcher dans la parole de Dieu, de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, le chemin de vos destinées. Et Dieu veut que vous puissiez marcher dans la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui peut vous affranchir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, nous sommes déjà arrivés à l'heure. Vraiment, ça passe tellement vite. La prochaine fois, nous allons entrer encore plus en détail pour dénoncer ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Donc, toujours dans Galates, chapitre 5, notamment au verset 20, on parle de l'idolâtrie et de la magie hein, comme étant des œuvres de la chair, l'idolâtrie de la magie. Donc, on finira cette série sur les dangers de l'occultisme en parlant là-dessus. Mon cher ami, si tu as donné ton cœur à Jésus, tu dois être entier pour lui et avec lui et tu dois dire non à Satan et aux œuvres des ténèbres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce de tenir ferme dans sa parole et qu'il vous donne l'autorité. Nous le verrons aussi, Dieu vous a donné l'autorité de dire non à Satan, de dire non aux démons et de dire non aux sorciers et à leur influence. La Bible dit que l'enchantement n'aura pas de pouvoir sur vous si vous tenez bon. En Dieu et dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram, à ce de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à, à, à gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ACR Dio.